Wesh les frérots, c'est Tonton Démonexion avec Nadji. Moi, est-ce que tu sais ça va être quelle vidéo? Non. Mec, ça va être une vidéo importante. C'est quoi? Demain, c'est le Ramadan. Je t'ai fait confiance mec, regarde-moi. Ouais. T'as pas mangé? Ouais. Ok. Vous avez tout dévoré et la Burchon. Le burchon? Oui. De quoi un burchon? C'est celui qui coupe les arbres là. Mec, tu fais le Ramadan, qu'est-ce que tu fais? Bah je bois. Pendant le Ramadan, on boit pas. Mais vas-y. Quand là c'est midi où tu peux boire. Quand c'est midi tu peux boire? Oui. Qu'est-ce que tu fous toi? 10, ok c'est Mervaudi. Il faut que ce soit même... Ah mais c'est fini là. Il l'a fait tomber. Regarde ce qu'il fait frère. Oh là 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 là. Incroyable. Nicolas Zone. Mélangé avec la farce. Oh bravo. Check mec. Non 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 non. Check quoi, check quoi. Si, demain les frérots, c'est le Ramadan. Pour commencer, bon Ramadan à toutes et à tous, mes frérots, mes sœurs, tout ce que tu veux. Demain les frérots, ça va être le premier jour du Ramadan. Et pour ce premier jour de Ramadan, Nadim, ouais, tu vas le faire. Ouais. Rappelle-toi. Donc les gars, on avait mis Nadim au défi pour ce Ramadan là parce que celui de la dernière fois, c'est une catastrophe, on va pas se mentir. Manger. Voilà, manger, boire, c'est n'importe quoi. Donc si Nadim boit ou mange dans la journée, bref. Non, t'as pas le droit de boire. Ne réussis pas son Ramadan. À partir de 11h. Non, à partir de 8h. Dès que tu te réveilles, c'est fini, Nadim. Et bah alors, frère, je vais dormir toute la journée. C'est bah, dors toute la journée, c'est bon. Si Nadim rate son Ramadan, on avait dit que t'avais un gage. Et ce gage-là, il devait faire un clip de la Pâte Patrouille en étant déguisé et faire la chanson. Donc ça sera en gros, il va refaire le générique de la Pâte Patrouille. Nadim, je le répète, demain dès le réveil, c'est parti. Mais si je me réveille les yeux fermés, c'est-à-dire, j'ai pas ouvert mes yeux, j'ai pas réveillé. Genre, je suis comme ça. Ouais, et genre, je peux y aller dans la cuisine et je peux boire. Oui. Bon, je vais faire ça. Non, mais non, frère. Commence pas à faire des trucs comme ça déjà, ok? Donc, les frérots, encore une fois, bon Ramadan à toutes et à tous. Que ce petit mois du Ramadan vous soit bénéfique, mes frérots. Profitez-en pour vous retrouver vous-même. C'est aussi une question de spiritualité. C'est pas qu'une question de bouffe, ok? T'as compris? Ouais. Bref, bon Ramadan, les refs. Et c'est parti pour la petite série, les mecs. Let's go, baby. D'ailleurs, les gars, dans le dernier Ramadan, j'avais dit dans une vidéo où que tous les 1000 likes, ça faisait une journée de Ramadan. Je crois qu'on en a atteint 13 000, quelque chose comme ça. Donc 13 journées. Ouais, il va y avoir pas mal de jours du Ramadan. Bref, on se retrouve demain. Bisous mes frérots. Mais non, mais ouais, je sais pas là où trop. Vas-y, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour une morning routine. Five minutes later. C'est déjà la fin de cette morning routine. C'est comme une année passée. Il sait pas dire le mot animal. On a sauvé un animal. Moi je suis sûr, on a sauvé un animal, pas un animal. Nettoyer. C'est qui dit ça? Au lieu de nettoyer. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Oh shit! Oh shit! Minutes spéciales pectoraux. Il est 13h mec, il est 13h. C'est midi passé. Comment on fait? Yes! Ah, ça fait divé, hein? On sent mieux après, non? Nous allons faire 100 burpees ensemble.
On va pas se presser, chacun à son rythme. C'est bien, Marc. Okay. Tu te moques pas de moi ? Je suis très 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 fier de vous, bravo. Deux blocs de sucre comme ça, c'est un coca entier. Un coca entier. Énorme. Là maintenant, nous, on mange presque pas de sucre. Bah surtout moi, je mange presque pas de sucre. C'est bien vrai ce mensonge ? Truc, là. Petite vidéo du grand JD les frérots, on va se regarder 2-3 petites vidéos et après on va regarder les couvertures. Ouais. Moi je regarde zéro. Ouais, pour l'instant c'est après. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Bon, les frérots, Nadim vient de partir à l'école avec la daronne. Comme vous avez dû le voir déjà, j'ai planqué quelques petites caméras. Je pense qu'il les a pas vues parce que j'ai mis dans des petits coins que j'avais jamais mis. Vu que là, je suis solo, il y a absolument rien à faire. Ok, on va attendre midi, le temps que Nadim rentre. Et puis, on va lui poser des questions. Comment ça s'est passé sa matinée ? Nadim ? Ouais ? Comment tu vas, mec ? Bien. Très bien ? Ouais, j'ai pas mangé. Arrête de mentir ! T'as pas mangé ? Tu sers à quoi de mentir? Dis la vérité, Nadim. Moi, je viens de me réveiller. Ok, toi, tu viens de rentrer de l'école déjà. Fais attention, j'ai passé des caméras ce matin. Ah ouais? Ouais, donc t'as toujours rien à dire. T'as rien mangé, t'as rien fait. T'es sûr? Je vais le voir dans le dérush, tout le monde va le voir. T'as rien mangé? Par contre, à la cuisine, j'ai mis de l'eau dans ma bouche, mais j'ai recraché pour me laver un peu ma bouche. Ah, ok, ça va. T'as juste fait ça. J'ai pas bu par contre. Pour l'instant, t'as faim ou quoi là? Ouais. Mais arrête de mentir. On dirait pas trop. Enfin. Vu que c'est le tout début du ramadan, on va se peser, ok? On va se peser pour voir à la fin du ramadan, on va faire combien? Nadim, il est à 33,8 pour Nadim. Tu fais avec combien toi? 8 ou 27. Ok, moi je suis à 80,4 kg. Donc moi mon objectif c'est de rester à ce poids là, ok? J'ai pas envie de perdre de poids. Mec, c'est l'objectif du ramadan. T'as pas intérêt à prendre du poids à la fin, ok? Faut que tu perdes. Tu dois pas prendre au moins jusqu'à 5 kg. T'es ouf, juste tu perds, c'est bon, ok? 15 minutes later. Tu peux m'expliquer ce que tu fous là? Non mais ça sert à rien de le cacher, c'est bon, j'ai vu le yaourt. What? T'as collé le truc du yaourt sous la chaussée. Fais voir, fais voir. C'est... Il t'avait tenu toute la matinée? Mais quand il y a un événement sur Fortnite, sur un jeu, bah on a le droit de manger pendant le ramadan. Ok. Mais depuis quand c'est ça? Toujours. Dès qu'il y a un événement, tu peux manger? Ouais, sur Fortnite, il y a un événement. Le chapitre 1, il va sortir. Il ouais. Va venir sur la map. Ouais. Et du coup, on peut manger le... Ouais. Il est très fort. Papa et maman aussi peuvent manger, tu crois? Genre là je peux manger dans ce jour là ouais. Mais les autres jours je pourrais pas. Donc demain il n'y a pas d'événement, tu manges pas? Ouais. Promis hein. Bon bah les mecs, moi je savais pas cette règle. Et en fait dès qu'il y a un événement vous pouvez manger. Bah voilà, Nadim nous a appris un truc. Merci Nadim pour cette petite nouvelle. Ok, vas-y, allez, repars à l'école. 5 hours later. Bon les frérots, il est environ 17h quelque chose comme ça. Voilà, 17h30. Nadim va bientôt sortir de l'école. Je vais vite aller le chercher les frérots. Et du coup malheureusement comme vous l'avez compris les refs, le début du ramadan il y aura pas encore Zizou et Rémi parce qu'ils sont encore à l'école. Tout ça. Donc c'est vraiment à partir du 8 avril je crois, c'est à ce moment là qu'ils seront tous en vacances, que là on fera un vlog ramadan un jour sur deux ou tous les jours. Bref, ça on verra. Avant ça sert à rien les gars, on est que, il y a que moi Nadim et moi. Donc on va être vachement limité niveau activité, niveau trucs comme ça. Donc c'est vraiment à partir du 8 avril les refs que là on partira sur vlog ramadan un jour sur deux. Je vais aller chercher Nadim et je pense que les gars pour le premier jour du ramadan on va aller passer à un supermarché et acheter plein de trucs de bouffe, plein de trucs comme ça. Premier jour, on va aller se faire plaisir les refs. Niveau ressenti les frérots, j'ai un peu mal à la tête. Manque d'énergie. En fait, je ressens que je suis fatigué, je suis à plat les refs. Je sais pas si vous le premier jour ça s'est bien passé. Ça ira sûrement mieux les autres jours, mais le premier jour, ça pique un peu, ça pique un peu. Dites-moi vous dans les commentaires les refs si c'était facile ou pas. Regardez-moi l'arrivée du beau gosse. Regardez-moi ça les mecs. Il a la dégaine d'un mec qui a fait le ramadan ou pas les frérots? Non. Quelle entrée fracassante chef. Comment ça va mec? Ça va mec. En forme mec? Bon, comment ça s'est passé avec ce premier jour du ramadan? Ça va. Nadim, j'ai un petit truc à te proposer. Le yaourt on supprime, ok? Ouais. Faut plus que tu manges jusqu'à 19h là. Pour le premier jour du ramadan, on va se faire plaisir mec. On va faire quoi? Supermarché, on va acheter toute la bouffe qu'on veut. Oh là, ça, tu c'est dis... beau débo. T'as pas intérêt à prendre du poids à la fin, ok? Faut que tu perdes. Comment ça... Attends, comment... J'arrive plus à parler. Comment s'est passé votre premier jour du ramadan? Ils vont pas te répondre, vas-y enchaîne Nadim. Sinon vous m'expliquez hors caméra. Qu'est-ce que je dis? Nadim, arrête de dire n'importe quoi frère. T'as fait quoi aujourd'hui? Dicté. Tout juste. Combien de fautes? Zéro faute. Mais t'as toujours zéro faute Nadim. Bonjour. T'es un menteur. Regardez-moi dans les abonnés, les yeux dans les abonnés. Rien compris moi. Ok, tu rigoles pas. Ok, ça veut dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Moi, je te propose un truc. Je te laisse encore demain pour une chance. Ok. C'est bon ou pas? Ok. Vas-y, au final, je vais faire 4 jours. Non, ça fait que 2 jours, ça. Ok. Ok, donc aujourd'hui, voilà, événement Fortnite, tout ça. Demain, deuxième chance, c'est bon? Ok. Mec. Donc là, on va déjà acheter tout ce qu'il y a à manger, etc., etc. C'est bon, Nadim? Ok, mec. Allez, go. Bon, on s'est séparés, les gars, avec Nadim. J'ai pris un petit caddie. Il a pris un caddie. Moi, je vais mettre quand même quelques petits trucs sains, les refs. Même si c'est le ramadan, les frérots, on va continuer la musculation. On va faire un minimum attention à ce qu'on mange. On va voir ce que Nadim lui va prendre. On se retrouve dans quelques secondes. Ah, oui, salut, mec. Qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi t'es dans le rayon animaux? Un animal. Nadim, montre-nous un peu ton panier. Ok, croissant. Pourquoi des croissants? Pour le matin. Tu es bête ou quoi? Mais normalement, c'est le ramadan, donc tu manges pas le matin. Des chips. Ouais, c'est ça, on peut accepter. Encore des chips. Non, mais mec, oh Nadim, calme. Oh, Nadim. Ouais, calm down. Calm down. Bon, moi, les refs, j'ai pris juste yaourt protéiné, petite céréale, juste ça. J'ai pris des mangas pour toi. Mais vas-y, Nadim, mais tu vas pas prendre des mangas. C'est pour toi. En plus, ça, je le regarde, je le lis pas. Ça. Lipton sans sucre. Oh, t'as pris sans sucre. Ouais, sans sucre. Tu fais attention à ta ligne. Ouais. Ok, ça, on prend. Nadim, t'as pris n'importe quoi. 100% jus multifruits riche en vitamines. Nadim, personne boit ça. Toi, tu sais, y'a que toi qui prends tes petites briques de jus. Oh, mais vas-y, frère, t'as acheté que des jus, Nadim. Mais Nadim, je t'ai dit, c'est pour le ramadan. T'achètes pas ça pour le ramadan? Si, une balle. Ouais, ouais, vas-y. Tu sais quoi, on va reposer tout ton panier. Mmh. Non, si. Par contre, les balles, je peux les mettre. Non. Ok, non, ok, non. Celle-là, ok. Non, pas que celle-là. Ouais, je t'ai dit. Celle-là et celle-là. Non, c'est mort, c'est mort. Genre des ballons pour faire genre, c'est la fête. C'est la fête, vas-y, c'est la fête, ouais. Nadim, regarde ce que t'as pris. Oh, wesh, Nadim. Quoi? C'est le ramadan. C'est le ramadan, mec. Mais Nadim, les ballons. S'il te plaît. C'est écrit quoi dessus? Là. Naki. Oui, et là? 100% Starfullah. Vas-y, tu peux reposer, s'il te plaît. Merci. Eh, tout ça, tu vas reposer. C'est bon? Je garde que ça. Non. On se retrouve à la caisse. Va reposer tout ça. Faut que tu retrouves chaque truc, Nadim. Ok, bon, les mecs, on a fait le tri. On va à la caisse. Bon, bah, les courses ont été faites, les frérots. Pour le reste de la journée, moi, je vais aller à la salle. Nadim, il va rentrer. Et après, on se retrouve bah pour le manger, je pense, non? Ouais. On va se retrouver pour le premier repas du ramadan, les frérots. Et après, on va se retrouver demain matin, Nadim. C'est bon? Ouais, bah. Allez, c'est parti. Bon, les mecs, on va mettre quelques ballons pour faire bonne ambiance. Bah, regardez, déjà, on a mis là. C'est la fête? Bonne ambiance. Et nous, on va manger ici. Pour commencer, déjà, les mecs, on va aller manger les chips. On va goûter pour voir si on sont bonnes. Je reviens 2 secondes. Super bonne, les gars. Super bonne. Les mecs, on se revoit quand on va manger. Position 3, 2, 1, go. Les mecs, on vient de manger. Ça y est, il n'y a plus rien sur la table. Nadim, il a bu tous les coca. Est-ce que tu as bu ce qu'on avait acheté au magasin? Le lit pur à esprit. What? Nadim, t'as bien mangé pour ce premier soir? Ouais. Rappelle-toi, demain, y'a pas d'événement. Tu tiens. On va appeler Rémi Zizou. On va savoir comment s'est passé leur premier jour du ramadan. Rémi, comment s'est passé ton premier jour du ramadan, chef? En vrai. Facile, en vrai? Ouais. Rémi, dis la vérité. Non. D'ailleurs, Rémi, Nadim, il a fait son premier jour du ramadan aussi. Facile. Facile pour Nadim. En fait, quand t'as l'événement d'un chapitre 1 sur Fortnite ou n'importe quel jeu, c'est-à-dire que tu peux manger de la journée. Donc tu pouvais manger aujourd'hui, Rémi? Mais oui, c'est vrai, t'as raison, Nadim. Bah ouais, t'as zappé ça, je crois. Mais pourquoi j'ai pas... Ah ouais. Bah ouais. Demain, Nadim, tu vas faire le ramadan avec Rémi. Allez, à demain, mec. Bisous. Donc demain, je vais aller le chercher. C'est quoi, on va filmer 2 jours de ramadan, c'est bien comme ça. T'en penses, mec? Waouh, ouais, vas-y. On boit quelle boisson demain? L'hypnoyasti. The next day. Encore. Et je mélange. Wesh la famille, c'est Démonexion. On se retrouve, que vous allez bien les gars? T'as l'air pressé, mec. Deuxième jour de ramadan avec Nadimo. On est le matin. As-tu pris le petit déjeuner? As-tu mangé? J'ai pas pris le petit déjeuner. T'as pas pris le petit déjeuner? Arrête là! Ok, j'arrête. T'as rien mangé, rien du tout, t'es rien mangé.
Bon, Nadim, comment tu le sens aujourd'hui? Facile un peu. Facile un peu. Donc là, les frérots, moi, je vais amener Nadim donc à l'école. Je vais continuer le montage. Faut que j'avance le montage. Et ensuite, on va aller chercher. Enfin, moi, je vais aller chercher Rémi. Avec Rémi, on va sûrement aller acheter de la bouffe, des trucs comme ça pour lui faire plaisir. Parce que Rémi, hier, je l'ai pas fait kiffer, contrairement à toi, qui achetais des chips. L'hypno-yasti. Donc, les frérots, c'est parti. Deuxième jour de Ramadan avec Nadim. Ça régale. C'est parti. Let's go. Baby. Magnifique. Salut mec, comment vas-tu mec? Bien. Comment s'est passée ta journée? Bien. Qu'est-ce que tu fais? Mec. Pourrais-tu ouvrir la bouche s'il te plaît? C'est pour vérifier un truc. Ok. Il y a quoi dans la bouche? Rien. Il y a un truc. C'est quoi que t'as dans la bouche mec? Une dentifrice. Wow. Celle-là elle est bien. C'est... Il est rouge ton dentifrice. Bah parce que en fait c'est un dentifrice avec de la couleur rouge. Ah bon, pour l'instant comment ça se passe le Ramadan? Facile. Mais Nadim. Quoi? Est-ce que tu sais que j'ai filmé tout? Qu'est-ce qu'il y a? Quand j'ai mangé là? Hein? Quand j'étais en train de manger. Ah t'as mangé? Non. Là je vais aller chercher Rémi moi. Je vais aller chercher Rémi, je vais aller acheter de la bouffe tout ça. Donc là Nadim, je veux que jusqu'à ce soir tu manges vraiment plus rien, c'est okay. Bon? Et moi j'ai pas encore vu ce que t'as fait les derniers jours, ok? Est-ce que t'as un truc à dire pour ta défense vite fait? Bah quand il pleut ou il neige ou il a du soleil, bah tu peux manger. Mais c'est qui a dit ça? C'est qui a inventé cette règle? Bah Emmanuel Macron. Macron démission. En vrai? Oui, mais c'était en 2021. C'est bon, ok, qui... moi je savais pas les gars, ça j'étais pas au courant. Bon, c'est parti, je vais aller chercher Rémi. Pas de bêtises, tu ne manges pas, je te fais confiance. Ciao mec. Regardez-moi cette dégaine les gars. Regardez-moi ça. On dirait même pas qu'il a fait le Ramadan. Tellement il est frais, c'est incroyable. Wesh, par contre il a le pantalon du daron. Jordan. Jordan bro. Je croyais que c'était celui de papa que t'avais pris en ski. Jordan bro. Jordan. C'est facile hein. C'est aise en vrai? Ouais, là je peux courir 5 km là. Bah parfait, c'est ce qui était prévu en rentrant. Hein? Mais non mais là je peux pas, j'ai mal au pied là. Déjà la première journée facile. En fait j'avais juste soif à la fin. Ok. Tu te réveilles le matin? Ouais. Bah oui non mais sinon. C'est pour ça, tu vas voir à la maison quand tu vas pas te réveiller. Hier avec Nadim, on a été faire des petites courses comme ça, on s'est fait plaisir, on a acheté des petits gâteaux, des trucs comme ça, des paquets de chips. On va faire pareil avec toi. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Vas-y, je suis chaud. T'es chaud pour vous encourager pour ça. Zizou, on le fera plus tard, mon gars, t'inquiète, je t'oublie pas. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Peut-être vous devez ramener votre propre bouffe. Enfin, je sais pas. Jugez le plat. Là, j'ai pris deux trucs d'œufs, petit yaourt bio, du pain. En vrai, ils t'ont mis trop bien, non? Mais tu sais, en vrai, c'est une masterclass, hein. Mais ils t'ont mis trop bien. Et là, tu l'as mangé à quelle heure, ça? 19h. Ok, ouais, bah à l'heure du repas. On était 4 sur 5 à faire le Ramadan. Ah oui, mais c'est l'intérêt, hein, c'est pour ouais. Ça. Et le matin même, ce qu'ils nous font, c'est genre un gros sachet Nutella, pain au lait, du jus de fruits, du lait, c'est une masterclass. Moi, ouais, je vous mets trop. Mais tu sais que je suis trop heureux. Hein. Royal ton lycée. Bon, les mecs, go Intermarché avec Rémi. Comme c'est le Ramadan, j'ai ramené pour l'internat. Tu vas ramener tes potes. Je sais, je suis un gars bien. T'es un gars bien de ouf. Ok, ça fait plaisir. Tu penses aux autres, pas qu'en l'autre gros sac de Nadim. Bah, bien sûr, tout. C'est bien. Mais j'aurais préféré en donner un SDF, tu vois. En fait, vu que je bouge pas de l'internat. Mais on verra dans un autre vlog, peut-être on ira distribuer des trucs comme ça. Rémi, je te sers la main, t'es un bon gars. Rémi, ça dit quoi, c'est bon? Là, je suis un principe. Donc, des gâteaux, des Maltesers, des Pringles, des Kinder Country, des petits cookies. Ok, donc ça c'est pour tes potes, hein? Tu sais que tu vas les régaler. Rémi, t'as un bon. Les gars, ayez un copain comme Rémi. Go à la caisse, go à la maison, les refs. 3 hours later. Bon, les gars, je suis rentré de l'école. Bien sûr, j'ai pas mangé de la matinée. Bien sûr. J'ai une surprise à avouer à Démolition. On va voir sa réaction. J'ai une surprise à t'annoncer, mec. Dis-moi tout, mec. T'as pris la caméra? Ouais. Mais c'est ce qui t'arrive, là. T'es super excité, mec. Bah oui, je te dis, je suis excité. Mais qu'est-ce qu'il y a? 3, 2, 1. Je passe en CM1. Ouais. C'est la fête? Bon endroit. Let's go. Montre. Passage en classe de CM1. Let's go. C'est la fête? Bon endroit. Rémi, il est rentré de l'école. C'est carré, il a été acheté de la bouffe. Maintenant, on se retrouve pour le repas, mec. Bien joué, Nadim. Let's go. Let's go. Les gars, plein de pouces bleus. Oh Nadim, on voulait... s'abonner aussi. Oh, faut s'abonner à fond. Rémi, t'es content mec? T'es content de manger à la maison? Je vais la tuer la bouteille. Nadim, c'est bon, tu t'es bien rempli le ventre? Ouais. Faut qu'on aille chercher Zizou qui vient d'arriver à 20 minutes. Ok, j'y vais avec Nadim qui m'accompagne. Et je pense que bah ça va être la fin de la vidéo, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Nadim, pourquoi t'as pris cette... Bah c'est pour Zizou mec. L'hypno-yasti. Tu vas lui dire tiens Zizou, je te régale, je t'ai ramené hein. L'hypno-yasti. Let's go. Et bah les frérots, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. Bah ces deux petites journées avec nous, c'était les deux premiers jours du Ramadan. Petit 48
Twitter. Bon, il n'y a pas eu tous les frérots. Ils n'étaient pas avec moi tous ensemble, on n'était pas tous réunis. Donc voilà, les refs, vous inquiétez pas, à partir du 8 avril, dès qu'ils sont en vacances, on fera des gros vlogs 24 heures en entier. Mais j'espère que vous avez déjà quand même kiffé cela. Je vous fais des bisous les refs, bon ramadan à toutes et à tous. Sahaf tolkom à toutes et à tous, bon appétit, mangez tous. Exactement, ciao, bye. Bye.